Yo, bonjour tout le monde, on se retrouve dans le tournoi mondial, le tournoi mort subite. On est parti sur du deck golem pour aller chercher les 12 victoires. Donc dans cette vidéo, à la fin de la vidéo, on a fait les 12 victoires, c'est parti, let's go. On enchaîne les games. On est là pour le beau jeu, mais également pour le plaisir, pour le tryhard, enfin pour tout ça quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du Prince Ténébreux, de la MG, du Baby Dragon. On va rester un fût barbare, ok, on va des dragons. Oulala, oulala, oulala. Ok, bon je laisse ça, tant pis, hein, j'accepte. Pour l'instant, j'ai trop de support. J'aimerais bien récupérer ma tornade, ouais, non, enfin ma foudre, pardon. Quelle foudre? Bah, foudre, tout ça. Voilà. Alors là, il devrait mettre de l'exir en théorie. On sait qu'il joue fuite barbare. Ok, il met la TDE. Ouh, la TDE. Donc là, s'il met un fuite gobelin, soit en tornade, soit au fuite barbare. Ah, faut que tu joues par contre. Ouais. Ouais, c'est mieux. Hein. Ok, donc on a un Baby Dragon. On va remettre un Prince Ténébreux. Oh, regardez comme il est ténébreux. Il est tout ténébreux. Ok, refoudre instant, hein, on a pas envie de voir tout ça en ville. Mais ouais, non. Le Dart par contre, le Dart. Oui, il meurt le Dart. Hein. Double mini, double PK. Mais c'est quoi ça? What the fuck? Mais pourquoi? Moi je pense un peu parce que j'ai 2-3 troupes sur le terrain, mais bon. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose que je vous recommanderais spécialement, mais. D'accord, bon bah GG. Ok, ok, c'est pas assez, donc voilà, c'était quelque chose que je recommande au final. Voilà, je recommande, voilà, pouce bleu hein, pour l'action. On est parti, 5-0. Le but c'est minimum d'aller chercher les 12 victoires. On va essayer de le tryhard celui-là. D'ailleurs, je devrais peut-être retirer le fuite barbare, changer ma version du deck, mettre la version cash goblin que je vous ai présentée. C'est pas grave, ça fera l'affaire. On va attendre de voir ce qu'il décide de jouer. Oh la pire carte! La pire carte le bourreau! Non, pas le bourreau s'il vous plaît. Pas ça. Ah bah d'accord, tu gèles direct, hein. C'est vraiment pas le temps. Ok. On est tombé sur un adversaire qui a vraiment pas le temps. Hein. Et est-ce quelqu'un de pressé? Ah mais sérieux! Je pensais qu'il y ait juste un golem, je voulais qu'il y ait d'autres trucs avec. Oh là, il est MG, c'est parti. On fasse gaffe, hein, le contre-push va nous faire mal, on a vraiment plus beaucoup d'élixir. La foudre nous a coûté très cher et j'aurais même tendance à dire que c'est potentiellement déjà la game qui est tombée. Heureusement que la MG gratte un peu la Valkyrie parce que là on n'est pas bien. Le contre-push il va dire, hein, pour rappel il joue. Oh là là, ouais. Il a gel aussi, hein. Il a gel. Hein. On essaie de faire l'espacement optimal des cartes. Il peut geler à tout moment. Ok, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oh mon dieu, c'est dur. Oh, qu'est-ce que c'est dur. Ok. Donne-moi une value à foudre. Ouais, ok. C'est pas vraiment ce que je m'attendais, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça au final un petit cochon en plus, on dit pas non. Alors là il va devoir remettre de l'élixir, il décide de mettre un sorcier, il va pouvoir repartir en GR devant. Et là on commence à être chagrin. Allez GR, vas-y, mets-le. On sait que t'en meurs d'envie. Ce truc qui m'embête c'est que je suis obligé de full def et pourquoi qu'il reste une minute, donc au final en soi peut-être que c'est pas plus mal. On va risquer un fuite barbare. MG. Voilà. Le but c'est vraiment qu'il aille pas collecter et que bon voilà on meurt pas. On va jouer la drôle là-dessus. Hein, parce qu'il a trop de cartes qui sont relou pour notre golem. Notre gentil golem. Quoique. Oh j'aurais peut-être pas dû foudre ici. Je sais pas. Si. Est-ce que je recycle? Je recycle? Est-ce que je recycle à temps, moi? Hein 6 secondes, 6 secondes, mais oui! Mais oui! Oh bah c'est bon, c'est gagné! Mais oui! Mais oui! Mais oui! C'est ça qu'on voulait! Mais ouais, très bien! Ah, bah je sais pas pourquoi on a gagné, mais on a gagné, donc voilà, tant bien. Hein. Que demande le peuple? Que demande voilà, tout ça, quoi. Alors, fuite barbare, je suis vraiment pas fan. On va devoir changer ça. Hein. Je sais pas ce qu'on va mettre, mais.
Qu'est-ce qu'on va mettre? Mettre une voleuse. Bah voilà, on met une voleuse, c'est parfait. Elle est où la voleuse? 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 Parfait. Voilà, ce sera mieux. Et on est reparti. Alors Apollo, Apollo, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es chaud, Apollo? Alors on a Fidbar, prince ténébreux, hein, le prince qui est ténébreux. On va voir ce qu'est le prince ténébreux. Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami? Mineur? Okay. Non, ça tu meurs, ça tu meurs, c'est bon, là, j'en ai marre. Donc c'est du ballon, ti ti ti. Ah ouais. Okay. Je voulais gueuler, mais j'avais toujours pas en main, c'était un peu chagrin ça. Ouais, on va def quand même. C'est mieux de def une fois que le ballon est mort. Ah, il collecte, ah, ça fait mal, hein. Ça, c'est chagrin par contre. C'est très chagrin. Alors, la mousquetaire, elle va pas trop nous déranger à gauche. Donc, ça, c'est pas gênant. On va redef là-bas comme ça. On def à la foudre, hein, tant pis. Oh, je tornade. J'ai trop peur. Le truc, c'est que j'ai pas. Si je def à la foudre, je peux pas def la TDE. On est d'accord, ça marche pas. Du coup, faut pas que je foudre. Mais en même temps, si je foudre pas, j'avais pas ma MG pour défendre. Donc, fallait pas que je golem. C'est ça, fallait pas que je golem. J'ai compris, j'ai compris. Voilà, cette fois-ci, ouais, même la boule de neige, ça suffira pas, hein, pas abusé. Pas abusé non plus. Je te laisse la mousquetaire toute seule. Moi, j'ai envie de forcer. Oh, la voleuse! Non! Fallait aller de l'autre côté, mon ami! La voleuse! La voleuse! Qui a fait des bêtises? Allez, ah, bûcheron, tu t'occupes de la TDE? Ouais, ok. On va renforcer un peu. Ça va toujours le bûcheron en vie, hein, pour rappel. Hein. Là, on a la voleuse qui revient. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. C'est qu'on a une voleuse qui revient. Ah, j'aurais pas dû mettre la boule de neige. La MG rentre. C'est pas grave, c'est pas grave. On est tellement forcé que de toute façon, on va être à portée de foudre et puis voilà. Waouh, à portée de voleuse. Bon, ouais, n'importe quoi. N'importe quoi marche. Ça, c'est cool. Évidemment, on aurait pas dû foudre pour le ballon. En même temps, j'avais peur qu'on meure là-dessus. J'avais peur qu'il y ait un gel sauvage. Donc, je sais pas. Je sais pas exactement. C'est pas grave. On est reparti. Cette fois-ci, on a le golem. On a la foudre et on a la MG si on recycle une carte. Qu'est-ce qu'il va jouer en face? Alors, s'il y a un prince ténébreux. Qui est le dragon. Ça peut être du bidon en face, ça peut être du golem aussi. Ok, électro. Alors, j'ai juste def comme ça, bah, j'ai pas besoin de mettre plus. Ouais, c'est pas mal en fait. Le but c'est qu'elle tombe évidemment l'électro, la MG va tomber sous les coups. On peut rebourrer avec un petit prince ténébreux, c'est le moment où on rajoute quelques dégâts. Alors, on rajoute un petit peu de pression. Voilà, exactement comme ça. Là, le dragon il se fait plaisir, on a les gardes qui vont exploser sous la tour, le prince ténébreux qui prend la tourée, et voilà, c'est rapide et ça se passe bien. 50 secondes de jeu, que demande le peuple? C'est reparti. Let's go, guys. Zabalaz. Alors, bûcheron, prince ténébreux, MG et le gentil caillou. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je recycle, j'attends pas. Ok, golem. Je vais golem même lane, je pense. J'ai peur de pas pouvoir aller assez vite à droite si je tente de bourrer, donc je vais quand même golem même lane. Ah, ok, ça c'est pas sympa la sorcière par contre. Je vais devoir foutre tout ça. Il a peur de rien, lui. Hein. Il était ça là-bas? Il a vraiment peur de rien. Sauf qu'elle est trop basse pour s'occuper de mon golem ici. Hein. Donc on va foudre. Oh, on fout tous les jours là-dessus. Le golem explose, la MG prend la grosse sur la tour. Et puis voilà! Et puis voilà! Et ça se passe bien! Mais on s'attendait vraiment pas à ce que c'est du golem par contre. C'était un peu surprenant. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, on est content. Let's go, guys! Let's go, les amis! On est parti! Allez, on se fait plaisir!
Ah bien, ça fait tellement plaisir. Esther Rosa, Esther Rosa du cartel. On a Bûcheron, Voleuse, Goulim, Foudre, etc. Alors, on va quoi? On va recycler une voleuse. On va recycler le bûcheron. P.K. en face, sûrement. P.K., P.K., P.K. Oh, j'ai pas trop envie que ça vive, ça, hein, je peux vous mentir. Ok, il def à droite. Bien joué. On va faire ça. Là, on va activer le roi. Non, j'ai raté. Non, non, j'ai raté. C'est le chagrin ultime. Non, mais reviens là, tu vas être en gros de la tour sinon. C'est pas grave. Paris qui va pas plus vite à droite. Voilà, il drague là-bas. Très bon, très bien, très bien. On va défaut Bévaragon, ça. Lui, on va le def à la MG haute. Parfait. Voilà. Et maintenant, on est parti pour pêcher. Et là, là, ça devient vraiment intéressant quand même. Alors là, on a déjà un B-Dragon et une MG. Donc on n'a pas besoin de rajouter un B-Dragon. On peut rajouter un truc au sol. Là, désormais, il a son Hydrag, mais l'Hydrag va tomber. La voleuse va aller sur le bâtiment parce que c'est une bonne voleuse. Là, il rajoute ses barbares, mais du coup, on a déjà des troupes. Donc on va... Ah, c'est déjà fini. Ça, c'est triste. Ça, c'est chagrin. Ça, c'est chagrin. Évidemment, ça, des fois, ça va un peu trop vite pour nous, mais c'est pas grave. 9 victoires. Allez, plus que 3. Plus que 3, allez, let's go, guys. On peut le faire. On peut le faire, les amis. Bûcheron, MG, Tornade, Golem. Allez, là, on se met bien. Et franchement, j'ai même envie de Golem first ici, hein, pour vous dire à quel point on en est. Allez, juste Prince Théoreux, parce que si dans un bûcheron ballon gel, hein, c'est la fin, c'est la PLS. Ouais, on va Golem def son B-Dragon. Les voleuses. Oh, c'est bien qu'il allait mettre un ballon, hein. Pas nier de la dernière pluie non plus. Par contre, ouais, c'est soit je def le ballon, ouais, ce que j'ai décidé de faire, hein, vous avez compris. Soit j'appuie mon push, mais du coup il a une TDE. Il a un bûcheron ballon TDE, ça c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa du tout. Alors on va devoir attendre que le prochain ballon meure avant de pouvoir faire un vrai push, parce que là on a pris super cher à gauche. Encore que, bon, franchement, il y a un monde. Enfin, il faut pas dire ça, mais voilà. Je dirais d'autres mots, parce que vous aimez pas que j'y ai un monde dans lequel, hein, même si j'aime bien cette expression. Alors, ok. Oh là là, elle est tellement belle cette foudre. Oh là 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 là. Allez, on est parti. C'est de mettre quelques dégâts là-dessus. Ok. Ok, ballon. Non, il ballon pas. Okay. On va faire un truc comme ça. Comme ça, je vais aller sniper avec la voleuse parce qu'il m'énerve là. Vilain, il est trop vilain. C'est dit. Oh, la foudre, elle est dégueulasse. Oh, heureusement que je dash sur la tour quand même, hein, et que je rajoute des bons dégâts parce que là le contre-push il va être dur, hein. Il a le ballon mais j'ai la tornade et j'ai toujours regardé ma MG, j'ai fait attention à ça, donc ça c'est intéressant. Je repars en prince ténébreux là-bas. Ouais, je repars en prince ténébreux là-bas, j'ai dit. Ce serait bien de pas mourir par contre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on veut pas mourir là, pas tout de suite. On aimerait bien déjà gagner la partie et après si vous voulez, voilà, là par exemple. C'est bon, ça se passe. Ouf, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vraiment vite, hein, la mort si vite, évidemment. Vu que c'est la première tour qui tombe, la première tour qui tombe, ça peut être le chagrin. 10-0, eh, on est... franchement, là, en 10 minutes chrono, on est rapide. Hein. Jesus Andres, Clash Perro Royal. Alors, MG, voleuse. On va risquer une voleuse, hein, simplement. Ok, alors. Ok, cabane. J'ai pas de golem, hein, donc sinon je serais parti en golem là-dessus, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, donc j'ai pas le choix. Ok, bûcheron. Là, pour l'instant, je suis un peu perplexe sur ce qu'il joue. Je suis un peu perplexe. Ah, Bédragon, il a fait du travail. Ok, ouais, il golem, je golem. Mon golem est un peu plus bas, il a en plus sa cage, donc c'est pas un bon golem pour moi. C'est un golem chagrin, ça. C'est un golem chagrin. Oh non, pas l'infernal. Bon, on va le foutre. On va pas se poser trop de questions. Il va falloir qu'on le tornade, mais ça va être compliqué. Enfin, on va réussir le tornade, c'est pas le problème. Mais...
C'est derrière le problème, c'est pour gérer le contre-pêche qui arrive. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Ouais, je rajoute, mais j'ai envie de golem ici, hein. J'ai pas envie de B-Dragon. Mais c'est pas grave, on va quand même golem, prendre map, on est parti. Le problème c'est qu'il a du spawner et il a l'infernal et ça peut nous embêter assez sérieusement. Bon là au moins sa MG va tomber, on peut repartir en bûcheron derrière, ces petites crevettes ils vont tomber également. Je peux mettre un bûcheron supplémentaire. Ok, lui il disparaît du jeu. Ah, il meurt, Alors est-ce que notre golem il arrive à faire quelque chose? On va réutiliser une voleuse parce qu'on aura la rage. Bon après de là à dire que ça passe, je suis pas certain. On va jouer le draw, on va essayer de pas mourir. Ce sera déjà pas mal. Golem, jeu golem, très bien. En plus je comprends pousser un peu tout ça. Moi j'ai la tornade hein, toujours pour aller activer le gentil ami golem en face. Tu vas là-bas. Il fera pas assez mal hein, pour juste réussir à nous tuer. Oh là 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 là, let's go guys! Oh là là, la voleuse! La voleuse, elle fait un de ses travails! Elle est passée au milieu de tout le monde! Et elle a fait bim 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 bim! Et puis voilà, simplement. Elle s'est. Ça fait plaisir, mais comme j'avais quoi. La voleuse complètement MVP. Allez, c'est parti. On cherche les 12, hein, donc évidemment, on est là pour ça. On a la voleuse, le dragon, la foudre, la tornade. Alors, on va recycler une voleuse fond de map. Simplement, ça lui donne l'impression que je joue un autre deck, c'est ça que j'aime bien. C'est que ça donne un peu des impressions. Alors, bûche, golem, sûrement un ballon en face. Ah, un dart. Ok, c'est bien ça, c'est un ballon. C'est bien ça, pas de soucis, pas de problème. Alors le gel qui va passer, qui va nous faire très mal, on est obligé de faire la voleuse en plus. On se prend au moins un coup ici. Hein. On se prend un coup. On va essayer de forcer un peu du coup, la contre-attaque peut-être. Je sais pas si on peut faire quelque chose. Il dégomme notre... Ah, il joue bien. Ah, la def est propre. Hein. Oh là, l'esprit de glace aussi. Alors, on va jouer sinon ou ça marche comment? Ok, non, ça m'embête hein, parce que là il peut me faire très mal d'un côté comme de l'autre. Je pars quand même là-bas en me disant bon, c'est moins pire. Voilà, ok, ça je vais. Le MG. Je crois qu'on a perdu. Hein. Ça me semble compliqué là. Le ballon il va droit vers la tour. Il va droit vers la tour et il la prend. Le ballon il a pas attendu. Son dart il nous a posé énormément de problèmes. Le contre-push il a vraiment bien défendu. L'esprit de gaz il était monstrueux. C'est la première défaite, c'est pas grave, on est reparti. Il en faut, hein, il en faut. Alors, MG, bûcheron, foudre, golem. Ok. Ok, y a pas grand chose que j'ai envie de recycler ici. Hein. Okay. Sorcier de glace, ça veut dire golem. Alors, on va garder pour foudre, hein. Potentiellement, on aurait une foudre sympa à faire. Cache goblin. Donc, potentiellement pas, hein. Potentiellement, on va juste mettre un bûcheron. Oh ouf, bouliste, ah ça va être du cimetière, ça va être dur ça. Ok, pas grave, on va recycler le dragon. Ah je peux vous mentir, j'ai un peu peur qu'on aille s'empaler chez lui, mais en même temps... Bah faut bien qu'on joue, on a déjà des troupes sur le terrain, donc on est un peu obligé de mettre une petite pression là, de forcer un peu. On a toujours nos unités en l'air, donc il y a moyen que ça fasse des bons dégâts, que ça l'empêche de réellement faire un push derrière. Ouais, on est devant Elixir, hein, on est devant tous les jours. Oh là là, on a un tel avance en Elixir. Ils devraient pas faire ça. Parce que même si gèle, franchement, il se passe quoi? Je tornade. Voilà, ce qui va se passer. Hein. Alors maintenant, faut qu'on garde pour mettre une jolie foudre. Et là, on va essayer de mettre une voleuse de la pression. On profite du fait que le bully s'est un peu écarté. On profite surtout du fait qu'on aura la rage. La bonne tornade hein, de sa part pour aller activer son roi ici, c'est bien joué. Est-ce qu'on rajoute un dragon? Ouais, c'est pas mal. Oh, la voleuse, encore une fois, la voleuse!
Et on va remettre en Pracemoro, on a tellement de troupes ici qu'on est obligé un peu de bridge pam, on n'a pas le choix. Genre on va pas le respecter alors qu'on est déjà en train de bridge pam comme des malades. Et voilà simplement. Ouais, le cimetière gel c'était un peu forcé de sa part, hein. Moi je pouvais def juste avec le dragon de tornade, plus après j'avais le dragon pour aller défendre la tour. Donc clairement on se mettait très bien. Et voilà, toutes les récompenses qui sont obtenues, on verra si on va faire un peu de live derrière pour aller finir le tournoi mondial ou si on fait ça en vidéo, voilà, ça sera l'un ou l'autre, on verra bien. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, et évidemment je vous souhaite à tous une excellente journée.